Salut à tous et bienvenue dans l'Octogone pour cette nouvelle vidéo. Si vous comparez le MMA d'aujourd'hui à celui des années 90, vous vous rendrez vite compte que le sport a énormément évolué. En plus d'avoir mis en place un truc plutôt utile qui s'appelle des règles, pour éviter ce genre de situation où un mec tente de balancer son adversaire par-dessus la cage, on a également pu constater l'apparition des catégories de poids afin de garantir des combats équitables. Les catégories de poids actuelles de l'UFC sont au nombre de 8 pour les hommes et elles vont de 57 à 120 kg, même s'il est devenu très rare de voir des combattants atteindre un tel poids. Mais aujourd'hui, on va revenir en arrière à l'époque glorieuse du Pride où il était normal d'allumer sa télé pour voir des mecs plus chargés que des tuk-tuks indiens se réorganiser la tronche tout en portant des moules bites. À cette époque, les catégories de poids n'existaient pas encore et les fans raffolaient de combats atypiques et en particulier de ceux dans lesquels des titans affrontaient des adversaires bien plus petits qu'eux. Bien que dans l'écrasante majorité des cas, le combattant le plus lourd ne s'impose, il arrive que la technique ne surpasse la force et que des combattants bien plus légers que leurs adversaires ne l'emportent. Et c'est de ces combats incroyables qu'on va parler dans cette vidéo. Tu es dans l'octogone et aujourd'hui, prépare-toi à te sentir tout petit parce qu'on va parler de 6 combattants titanesques qui se sont fait plier dans l'octogone. C'est parti! On va commencer ce top en parlant de la fois où Fedor Emelianenko a vaincu un kickboxer redoutable de 2m18 qui pesait 60 kg de plus que lui. En 2007, le dernier empereur, qui était le champion des poids lourds du Pride, avait remporté 23 combats de suite et distribué les allées simples pour le goulag à la brouette. Face à un tel niveau de domination, il était donc très compliqué de trouver des adversaires à sa hauteur et c'est pourquoi en décembre 2007, le russe était matché contre Ongman Choi, un titan coréen mesurant 2m18 et pesant 175 kg. Surnommé le Techno-Goliath, Choi était un kickboxer terrifiant qui combattait pour la prestigieuse organisation du K1 et possédait 12 victoires à son actif, dont 7 par des KO dévastateurs. Bien qu'il n'ait à l'époque livré qu'un seul combat de MMA, Choi avait fait forte impression en envoyant son adversaire au pays des merveilles en seulement 16 secondes et tous les fans mouraient d'envie de savoir si le géant pouvait vaincre Fedor. Les deux hommes se retrouvent face à face le 31 décembre 2007 et la différence de gabarit crève immédiatement les yeux car le seul moment où ils font à peu près la même taille, c'est lorsque Choi se penche pour saluer Fedor. Lorsque la cloche sonne, le russe tente immédiatement une amené au sol, mais Ongman parvient à résister, puis se sert de sa force surhumaine pour amener le russe sur son dos. Après avoir absorbé quelques frappes, le dernier empereur parvient à se relever, mais son visage semble déjà très marqué par les ogives du géant. Fedor, qui n'est pas du genre à abandonner, retente une amenée au sol et se retrouve à nouveau coincé sous la montagne de 175 kg. Alors que Choi fait pleuvoir les coups, Emelianenko parvient à verrouiller une clé de bras sublime, obligeant le Techno-Goliath à taper après 2 minutes de combat. Le dernier empereur nous offrira ce soir-là l'une des photos les plus mémorables de l'histoire du MMA, qui devrait à mes yeux être encadrée dans toutes les salles d'entraînement, car elle illustre à merveille le fait que la force ne peut rien face à une technique parfaitement exécutée. Si tu veux être aussi serein que Fedor dans l'octogone quand tu traînes sur internet, le partenaire de la vidéo d'aujourd'hui, NordVPN, est fait pour toi. NordVPN est l'un des meilleurs outils du marché pour protéger tes données personnelles quand tu navigues sur internet grâce au chiffrement nouvelle génération qui crée un tunnel privé et sécurisé. Cette application possède une garde encore plus impénétrable que celle de Mohamed Ali car elle te permet de bloquer les sites web malveillants, les pop-ups, les malwares ainsi que les cookies. Grâce à 5800 serveurs répartis dans le monde, ce petit bijou te permet également de contourner les restrictions géographiques pour par exemple économiser de l'argent lors de tes réservations sur Booking ou encore d'avoir accès à des catalogues de contenu bloqués en France sur tes plateformes préférées. Mais aujourd'hui, NordVPN pousse de la fonte et monte d'une catégorie de poids en devenant bien plus qu'un VPN car il propose désormais une nouvelle offre groupée ultra stylée Nord Security. Grâce à cette offre, en plus d'avoir l'un des meilleurs VPN du marché, tu auras également NordPass, un gestionnaire de mots de passe très pratique, mais aussi NordLocker, un cloud sécurisé qui te sera très utile pour stocker tes données en ligne et retirer les 10 Go de photo lingerie de Valentina Shevchenko que tu as sur ton ordinateur. En suivant mon lien dans la description, tu profiteras de très grosses réductions sur tous les paquets produits, avec notamment un bonus de 4 mois offert si tu choisis un abonnement sur 2 ans. En suivant le lien qui s'affiche à l'écran, tu bénéficieras également d'une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours, donc si tu veux essayer le pack sécurité le plus complet du marché, n'hésite pas, toutes les infos sont dans la description. En numéro 5, on va découvrir comment un combattant de 77 kg a réussi à vaincre par KO un sumo tori qui faisait 4 fois son poids.
Vous avez peut-être déjà entendu parler d'Emmanuel Yarborough, car en 1995, l'Américain avait décroché le record du monde de l'athlète le plus lourd de la planète en montant sur la balance à 320 kg. Grâce à ses 2m03 et à son physique de réfrigérateur humain, Emmanuel avait gagné plusieurs titres universitaires en lutte avant de transitionner au sumo, discipline dans laquelle il était devenu champion du monde. Celui que l'on surnomme Petit fait ses débuts en MMA en 1994 et malgré une défaite dans son premier combat, le titan fait forte impression et il est ensuite invité à combattre au Japon. Il y affronte Tatsuaki Nakano, un combattant qui pesait 200 kg de moins que lui, et remporte le combat par un finish absolument terrifiant qui consiste à littéralement étouffer son adversaire avec son bide. Après cette victoire à couper le souffle, Yarborough est matché contre Daiju Takase, un combattant japonais de 1m80 et 77 kg qui était donc 4 fois plus léger que lui. Après avoir joué au chat et à la souris pendant plusieurs minutes, Emmanuel défend une amenée au sol de Daiju et après lui avoir presque brisé la nuque en lui retombant dessus, il commence comme à son habitude à essayer de le digérer. Mais le japonais parvient à se dégager et fait alors pleuvoir les coups sur la tête de Yarborough qui semble désormais aussi menaçant qu'une tortue asthmatique et est contraint d'abandonner. Ce combat sera le dernier d'Emmanuel qui poursuivra ensuite une carrière d'acteur avant de subitement s'éteindre en 2015 en raison d'une crise cardiaque. Takase aura quant à lui beaucoup d'autres moments épiques dans sa carrière et soumettra même l'un des meilleurs combattants de l'histoire, Anderson Silva, avant de prendre sa retraite en 2015. En numéro 4, on va parler d'un combat absolument épique et de l'un des comebacks les plus mémorables de l'histoire du sport. Bien que le monde du MMA ne se moque aujourd'hui beaucoup de Bob Sapp pour sa tendance à abandonner dès qu'il prend un coup sur la truffe, il ne faut pas oublier que l'Américain était à une époque un véritable rouleau compresseur. Grâce à son 1m96, ses 160 kg et son physique de cheval de trait, Sapp avait immédiatement capté l'attention des fans dans ses débuts et avait remporté ses deux premiers combats par KO. À cette même période, Antonio Nogueira régnait en maître sur la division des poids lourds du Pride et après une série de 10 victoires consécutives, le Brésilien semblait à court d'adversaires auxquels se mesurer. En août 2002, les prières des fans sont entendues et les deux hommes se retrouvent face à face à Tokyo devant 91 000 personnes. Bien que le Brésilien soit loin d'être un petit gabarit, la différence de poids de 60 kg se fait immédiatement sentir lorsque Sapp le soulève comme un sac à patates avant de jouer aux osselets avec ses cervicales et de faire pleuvoir des frappes meurtrières. Le premier round de 10 minutes sera très éprouvant pour Rodrigo qui absorbera beaucoup d'ogives du titan avant de retourner dans son corner visiblement diminué. Mais dans le deuxième round, le Brésilien inverse une position et parvient à mettre Sapp sur son dos avant de verrouiller une clé de bras magnifique forçant le monstre à taper. Cette soirée mémorable détient encore aujourd'hui le record d'audience pour un événement du Pride et Rodrigo a récemment dit qu'il avait encore mal au cou à cause de ce combat. Malheureusement pour Bob, à l'heure de cette vidéo, il a perdu 18 de ses 20 derniers combats et la légende dit qu'il ne laisse jamais les fenêtres de sa maison ouvertes par peur de se faire mettre KO par un courant d'air. Que vous soyez ou non incollable sur l'histoire du MMA, il ne fait aucun doute que vous ayez déjà entendu le nom de Royce Gracie. Le Brésilien est en effet une vraie légende qui a durant sa carrière récolté plus de membres qu'un club de bingo du 3ème âge et qui avait remporté 3 des 4 premiers tournois UFC, prouvant l'efficacité du jiu-jitsu brésilien au monde entier. En 2004, Royce remet les gants et se rend à Osaka afin d'affronter le champion du monde de sumo Chad Rowan dans un combat de MMA. Surnommé Akebono, le colosse hawaïen de 2m03 et 235 kg était une véritable superstar au pays du soleil levant, car il était devenu le premier athlète non japonais à devenir Yokozuna, le plus haut rang atteignable pour un sumotori. Pour que vous visualisiez bien la différence de poids, l'octogone a fait un petit calcul. Si on voulait que Royce fasse le même poids qu'Akebono, il faudrait rajouter sur ses épaules Yeri Prohashka, puis sur les épaules du Tchèque, un combattant des poids coqs comme Sean O'Malley. L'attente autour de ce choc était énorme et ça s'entend immédiatement à l'enthousiasme presque enfantin du commentateur. Rapidement, Akebono court et se laisse tomber de tout son poids sur le Brésilien, mais heureusement pour la cage thoracique de Royce, l'impact est amorti par la texture de chamallow du sumotori et Gracie se retrouve alors dans son univers au sol. Après avoir passé 2 minutes à survivre de justesse à une multitude de tentatives de soumission, le géant succombe finalement à une omoplata dès le premier round. Malgré ses 38 ans, Royce soulignera à nouveau l'importance du jujitsu dans le MMA en montrant qu'il était possible de vaincre des adversaires bien plus massifs grâce à des soumissions. En numéro 2, on va parler d'un combattant qui a dédié sa carrière à vaincre des titans et qui a gagné le surnom de tueur de géants. Dans les années 2000, Ikuisa Minoa était bien connu des fans de MMA pour son style unique qui consistait à porter un moule-bite rouge et un magnifique mulet, mais surtout pour son absence totale de peur dans l'octogone. Le japonais de 1m75 et 80 kg avait en effet l'habitude d'affronter des adversaires bien plus massifs que lui, comme Kimo Leopoldo, Wanderlei Silva ou encore Rampage Jackson.
Mais en 2006, la carrière de Minoa passe au niveau supérieur lorsqu'il accepte un combat contre le Brésilien Paulo César Silva, surnommé Giant Silva. Cet ancien catcheur de 2m19 et 175 kg avait fait sa transition au MMA 3 ans auparavant et il s'était immédiatement fait remarquer pour son physique hors norme. Les deux hommes se retrouvent face à face le 2 avril 2006 et on peut imaginer tout ce qui doit passer par la tête du japonais alors qu'il prend pleinement conscience de la taille de l'homme qui va essayer de lui arracher la tête dans quelques secondes. Mais Minoa ne semble pas impressionné car il claque une magnifique roulade dès le début du combat qui lui permet de saisir la jambe du brésilien et de l'amener au sol en moins de 30 secondes. Il passe ensuite aisément la garde de Silva puis commence à lui mitrailler les côtes et le visage de coups de genoux meurtriers, terminant le combat sans avoir absorbé une seule frappe. Dans les années qui suivront, Minoa décrochera le surnom de tueur de géants en vainquant une multitude d'adversaires qui faisaient trois fois son poids, dont Hongman Choi, mais aussi Bob Sapp. Malgré ses 46 ans et les problèmes de dos que doivent lui causer ses boules en titane, Minoa combat encore à l'heure de cette vidéo et possède 115 combats professionnels à son actif. Ce mec est une vraie légende. Et en numéro 1, on va parler de l'exploit d'un homme qui a réussi à vaincre 3 géants par finish en une seule soirée. Igor Vovchanchin est un kickboxeur ukrainien de 1m75 et 93 kg qui s'était illustré dans les années 90 grâce à ses finishes d'une férocité absolue. En 1996, Igor participe à l'IFC à Kiev, un tournoi de MMA éliminatoire d'une soirée dans lequel 8 athlètes s'affrontent dans des combats sans limite de temps. Igor, qui n'a alors que 22 ans, est de loin le combattant le plus léger du tournoi, mais pour son premier combat, il est matché contre Fred Floyd, un beau bébé de 1m93 pour 175 kg. Après 13 minutes de domination totale et après avoir montré sa supériorité dans tous les aspects du sport, Vovchanchin réussit à faire abandonner le géant qui comprend qu'il n'a aucune chance face au Terminator. Igor passe donc en demi-finale et il fait ensuite face à Paul Varlance, surnommé l'ours polaire, un combattant de 2m03 qui pesait 60 kg de plus que lui. Lorsque la cloche sonne, l'ours polaire se jette sur Igor, mais il comprend rapidement que sa force ne pourra rien face à la technique et à la vitesse de l'Ukrainien. Après avoir passé 6 minutes à distribuer des fricassés de phalanges, Igor parvient à terminer son adversaire par KO et décroche donc son billet pour la finale du tournoi. Vovchanchin affronte alors John Dixon, le plus petit des adversaires qu'il affrontera ce soir-là, mais un combattant qui pesait tout de même 40 kg de plus que lui. Ce combat sera le plus compliqué des trois pour l'Ukrainien, et Dixon parviendra plusieurs fois à le mettre en difficulté, mais Igor, plus coriace qu'un steak monoprix, reviendra plus fort et fera abandonner son adversaire après 9 minutes de combat. Igor est donc couronné champion de l'IFC et dans les années qui suivront, il sortira vainqueur de 8 autres tournois du même type, accumulant au passage 37 victoires de suite. Igor a pris sa retraite en 2005 avec un record incroyable de 56 victoires pour seulement 10 défaites et il possède 41 victoires par KO à son actif, ce qui est un record en MMA. L'Ukrainien est désormais l'heureux propriétaire d'un bar qui s'appelle le Champion et cette légende absolue écoule des jours paisibles en buvant de la vodka avec son très bon ami Fedor Emelianenko. C'est maintenant la fin de cette vidéo et j'espère vraiment que ce concept de David contre Goliath vous aura plu. Il y aurait carrément matière à faire une deuxième partie, donc n'hésitez pas à me redire dans les commentaires si vous voudriez voir ça. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, mais surtout de vous abonner. Sinon je dis à Terry de prendre 200 kg et de vous asphyxier sous son bid à bière. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.